Ah ouais, c'est juste. Je vous insultais, je vous disais que c'était vraiment relou. Et que j'en avais marre le cul en fait de streamer. Merde, du coup j'aurais dû. Ouais. Bon, on aurait fait avec le micro allumé quoi. Disais-je. Oui, Ratchet, c'est de la merde. Oui, la ligne du milieu est floutée. Oui, on a l'habitude de trouver des explications totalement abracadabrantes, tesques, pour justifier des situations improbables. Chose qu'on a vraiment fait sur Spider-Man. Hein. Ensuite, je troll pour Ratchet & Clank. On sait tous que ta tête a changé, Foxy. Hein. Et tac tac tac. C'est bon, voilà! Ça vous. Vous avez pas marre que j'ouvre ma gueule? Non? Le micro coupé, ça va pas. Mon beau chapeau. Exactement! Beau chapeau que j'avais pas mis, je crois, la semaine dernière. C'est mon chapeau qui me permet de tirer sur des chapeaux. Du coup, ouais, Ratchet, non, je troll de ouf. Je troll de ouf sur Ratchet. Évidemment que c'est un jeu excellent. Qu'est-ce qu'il veut encore? J'en ai marre de donner ma thune à tout le monde. Encore! Insupportable. Hey, buddy. Hey there, mister. Hey there. Mind ouais. If I join you? Tu me parles déjà. If I talk me parles to déjà. Fellas sometimes mind and sometimes they don't mind and ain't no way of knowing. Et bah quoi, Mickey? I don't mind. Supportable. Oh. I like you. You're kind. I like kindness. Tu savais. I ain't so kind. Now, that ain't true. Ain't true at all. Most folk won't spare me the time of day. Ah ouais, petit détail. But you did. Pas de you dette, did. Quoi. And it was real nice. Real nice. Le son du jeu sur la dette, c'est compliqué, Foxy. Hein. Can I hold you, mister? Wow. Parce que là, je vais l'augmenter pour les dialogues, mais dès qu'il y aura des fusillades, t'auras plus d'oreilles, je te le dis. I didn't mean nothing by it. I just kinda like folk, but most folk don't like me. Ah, no harm done. Ain't ever harmful to be held, mister. Évidemment, mais en ces temps compliqués. Creepy and strange, which ain't nice. I guess not. What's your name? John. Or, Jim. Ouais, ça va. You don't know? That's funny. I used to know a fella. A bit like you. Savez. A few years back. Cameraman bourré. Crazy kind of fella. But he had a heart on him. What was his name? Oh, je vais cliquer, j'ai très peur. Funny face. Alan. Or Alan something, I think. He didn't like me much neither. But he was okay. I think he died. They always do. The good ones. He weren't a good one. He was, well, he was good and bad, and it's hard to say quite what he was in the end. That's so. Sure. That's so. I can kind of see that. Well, it's been fun talking, mister. My name's Mickey. C'est cool. Ah, salut. Non, non, vraiment. Ah, je crois qu'il va me suivre. Voyons voir. Celui-là, je l'ai mis dans les samples, t'inquiète. Celui-là, on va le sortir. Il est trop bien. Quand je jouerai à des jeux avec des démons, ça va être trop bien. Ils auraient pas fait un jeu l'équivalent de Preacher, pas où t'incarnes un révérend ou un prêtre qui se battrait contre des démons à coup de fusil à pompe. Ouais. Donc ouais, vous inquiétez pas pour le son sur Red Dead, c'est toujours très compliqué. Entre les dialogues et les fusillades, il y a un gouffre monumental. Ça crée des petits problèmes audio. Y'a un point d'interrogation, et point d'interrogation, ça m'intéresse. Attention!
Helen, Acri here is a silly boy. Encore Lotus isn't a boy at all, but a chimpanzee that a man shaves a face into. Retour de Pippo et Mario quoi. Now that's you can't punch my sweet. Et les deux font la paire, deux, le retour. Oh my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you, and thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? John. John could, easily. You, maybe, but not me. I know. Punch us both, as hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. On parie, je mets les deux à terre. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. C'est quoi ce mouvement? Come on. Comme tu veux. Et c'était tranquille. J'ai poussé tellement fort. Ah bah ouais, dans la ruelle, je suis pressé moi. C'est de la merde ça. Oh, je vais vraiment mettre un bon coup de latte. Doesn't hurt. Hey, hit me again. Right here. Right here. That might have killed a lesser man. Free shot. Et ils sont vraiment, ils ont des problèmes. Punch a man for once. Give me your worst. Here I stand. I think he's done for. Barely even felt it. Et foutez-vous sur la gueule. One thing for it, then. Hit me in the manhood. Ça, ça va être drôle. Don't worry, sir. They've come out his ears. My. Yep. Et deux à terre comme prévu. Gentlemen. Yes. I think so. I slipped. And I hope you killed the leprechaun. And he's still alive. Shoot him, please. One of you. There, there. Up you get. We need to get some steak on those wounds. Un steak. Madam. Gentlemen. Good luck to you. Bah lui aussi du coup on lui laisse pousser la beubarde de ouf là. Bon je suis pressé là. Chose intéressante. Ah Sadie voilà, Sadie Adler. Comme ça qu'elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Mind yourself, partner. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself who this little girl thinks she telling anything to. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time. Tout travail mérite salaire. Leave me alone. Get the hell out of here before she kills us all. On a pas changé. Get out of here. John Marston. It's good to see you. Moins fort, bordel. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? No, I've gone straight. Huh? Sort of. Oh, well, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. Guy on the run from New York. Oh, the prime. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pan. He's an accountant, I think. Oh, we will. It's easy. Come on, we got a bit of a ride. Il n'a pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque. Ah, oh, putain. I know. Your telegram. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I think so.
I heard if someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after. Ouais, de la vengeance dans la vengeance, quoi. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. La mesure de recherche. Normal. Nathan Kirk, banker, bald, 45. Okay. Un nom à être dans un vaisseau spatial, ça. I'll meet you in a bit. On a foutu un sacré bordel ici, hein. Au début. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan Kirk. You know where he is? Afraid I don't know. Mytho. Du bois. Non, je voulais faire tomber la planche. You seen a You seen a bald New Yorker name of Nathan Kirk about 45? No, sir. If we get plenty of New Yorkers here. It's resort town. Adirondacks of the West, the mayor calls it. I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. Ah, t'as le mec le plus suspect de l'Ouest, quoi. Residence for the season, as we say. Season. Good lord. Ouais. Eh, bon, il parle. Ah, putain. On peut même pas grimper. Ah si. Hey, I've been a real fool and forgot to ask my friend Nathan Kirk where he's staying. You got any idea? He's a bald feller from New York. I'm sorry, I don't know. Échoué. Elle soumette de ouf. I'm looking for a fella from New York. Bald guy, about 45, name of Nathan Kirk. Never heard of him. Oh, okay. Putain, c'est un carton. Ask in the welcome center. Ah, c'est they pas often là? Know about tourists. Some folks stay there. I'll try that. Oh, c'est mieux. There you are. He's staying in the welcome center. What now? You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? A New Yorker, yeah. Chauve, quoi. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. Okay. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Va défoncer ton hôtel, tu vois. Très bel hôtel, n'empêche. Hein. Ça pourrait s'enflammer pour rien. Chambre 3. Où est la logique?
Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Just a friend! Just a friend! Pas forcément. Hey, that's Nathan Kirk. C'est celui qui dit qui c'est, qui est. Got him. Oh, shut up. Ça va devenir. Un cheval, c'est mieux. Putain de merde, je vais casser la gueule. Arrêtez vos conneries. Je suis où là? C'est bon, on a repris la situation en main. Tout va bien. Un garçon. Stay on him. I'll catch up with you. Where are you going? Shit. Leave me alone. This is gonna hurt. You carry on. We just want to talk. You're back. Almost had him. Come on. What you got there? Get off of me. Tie him up then. I don't deserve this treatment. Hogtie the bastard. C'est bien là, non? Monsters! Monsters! Ah! Attends. Ah, dommage. Il était bien. Je sais pas que j'ai un chat qui fait personne. Un seul gamier, c'est suffisant. Eh oh. Moi, c'est différent. C'est parce que l'excellence n'a pas être une clinique. C'est un mistake, ma femme. Ah oui. Il y a quand même une singularité sinon. How you buried, sir? Hey. None of your business what I am. C'est pas ce que je vais faire. Je suis pas violent, ok? Je fais que mon boulot. I did bad, but I'm not bad. There is a difference. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make him happy to see I've got a boss. No, I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. Mission rendement mené. At the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. J'aurais quand même bien foutu sur les voies. All right, girl. La meilleure mission. Tac 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 tac. Ah, on a une petite prime. On pourrait s'amuser à faire un petit avis de recherche. On pourrait, mais on le fera pas. Mission qu'il y a là-bas, mais ça, c'est une mission, on s'en fout. Juste avis de recherche n'est pas du tout sur notre chemin. On va aller. Là. C'est vrai que ça serait bien. Comme la plupart des jeux mobiles, hein. Putain, je sais pas où je vais en fait. La plupart des jeux portés comme ça n'ont pas de mode histoire. Ils gardent que le multi. Et surtout, de toute façon, on va pas se mentir que la plupart des gens jouent pas à la campagne de Call of. Comme ça. C'est pas mon cas, hein. Je joue à la campagne. Hein. Un photographe. I don't know. Mister. Oh. Hello. Donc on doit se le faire en live d'ailleurs celui-là. Photographie d'un pays idyllique. Encore une nouvelle quête annexe. I'm working on a project. Photography.
Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Huh? Here? Just... there. Albert Mason. John Marston. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. Et pourtant. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Go on, pardon. Don't worry. Mon chat qui me fait mieux à des croquettes. Est-ce que ça a la qualité des croquettes qui est pas bonne? Drop the bag. Pardon. La poussière de l'Ouest. Leave the meat, mister. Leave it. Il nous traduit en sale bête, quoi. Alors qu'il a pas dit sale bête. You don't want me chasing you. Coyote, don't think about coming back. Putain. J'ai déjà dit, on est au-dessus de tout ça. Je peux pas regarder ce qu'il y a dans le sac, non. Très bien. Comme ça, quitte à perdre un peu d'honneur. Quoi? Ah oui, d'accord. Je suis qu'est-ce qui se passe encore. Tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. As I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Salut Sky. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? On attend tous impatiemment l'accident de cheval de ce soir. Hein. Ce monde sur la route. Il y en a un par stream à peu près. Ça va bien, écoute. Personnellement. Relax, girl. Cry for your mother. Quoi ce délire, je veux que tu meurs. C'est quoi ce bordel? C'est barré cet enfoiré. De dingue ça. Et où? Il est disparu.
personne courir. Ouais. Il tue des chasseurs. Lui fait sa vie. Ah, j'ai plus de balles. Quasi plus de balles. Pas de fusil dans... Ah, bien sûr que si. Help a blind man. Take this. Très bien. Jamais. End the world while you can. Enjoy today. For tomorrow. Tomorrow awaits us all. Uh-huh. All right, mister. Fais pas le malin. Alors. Putain, du plomb carrément. Plaisir. I'm sure you've got better things to do than follow a lame blind man around. Mais pas de soucis. Ça, ça demande du temps de faire un site. En même temps, si on veut qu'il soit propre. Putain, mais en fait. Il est pas au max de ses dégâts, c'est quoi cette merde? Moi, est-ce que j'ai plus d'huile? Ah, il me faut de l'huile! Il me faut de l'huile pour réparer les armes, ça va entretenir. Totalement zappé ce détail. Stop avec les sites! C'est vrai, c'est arrêté. C'est quoi, pourquoi plein de gens font des sites? Il est grand de ouf. Non, je l'ai pas étudié lui. Non, mauvais bail, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est un site chaton et non un site. C'est un stream familial, monsieur. Okay. C'est toléré pour le jeu de mots. Chaton quand même. C'est étrange ça, tiens. C'est sur le jeu vidéo. Dis quelque chose ce bled. Putain, c'était comme ça. Putain, c'est ouf. Blackwater, quoi. J'allais dire que c'était la plus grande ville du premier Red Dead. Ah là là. Pourquoi il gueule comme ça, you? L'aristocratie terrienne. Ok, pourquoi pas. Chapeau qui passe à travers le banc. Je viens de jamais bosser ou quoi? Merde. Ah ouais, carrément, il se fait pas chier. Le mec il rentre comme ça, au calme. Pourquoi pas. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk?
Mr. Geddes? Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? J'ai dit ça, moi? Ok. Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. Mec... I'm sure we can figure something out. Ouais, oui, ouais. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Mais d'où le cousin se porte garant? C'est quoi ces frais, là? C'est normal, Foxy, ne t'inquiète pas. Tu vas prendre avec le ton qu'on ne peut pas tout comprendre sur mon stream. Il faut savoir l'accepter. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes? Voilà, c'est simple en fait. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently that they're clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Pas de soucis. Hop. Ah, attends. Par contre. Pas te mentir. Mais l'avis de recherche qui est là, par contre, on va le prendre. Dans le coin. Il est où? Il est dedans? Mais non, personne ne se moque de personne ici. Sauf de moi. $90. Je prends. It's a sorry situation with them mongrel dogs, the Skinner brothers. Just when you thought this country had been civilized. Mon choix. Si c'est pas trop loin. Il est excité à gueuler comme ça. C'est pas trop loin. Oh, c'est à côté. Quand je pense que j'avais des milliers de dollars, centaines de dollars en fait. Pourtant, 90 dollars, c'est ouf, hein. Putain, le lien, je suis impassible, quoi. Hey, little fella. Hey, boy. C'est évident. Il est plus à niveau. Putain, mon cheval n'est plus à niveau. Ok, Missy. Quoi? Depuis quand on peut péter les... Quoi? Ok, pourquoi pas. Bon. Voilà, on a eu notre accident de cheval de la soirée. Ah putain. Ça, on va pas les souvenirs ici, hein. L'accident, ça arrive. Je connais pas. Je
caméra, c'est pas un vieux cinéma, c'est comme ça. Oh oh. Des pattes avant en béton armé. Merci. Ça mon terrain. D'abord aller chercher le fauteur de trouble. D'accord, je regarderai. Rien. Oh, easy. Où peut être ce petit chenapan? Je pense pas qu'il soit proche de la route. Ah non, ce que j'ai entendu. Jesus. Ah. Who do a thing like this? Hello? Not here. Bizarre. Mais rien dans le coffre, quel intérêt de l'ouvrir? Viens, y'a rien. Y'a rien. Et Skinner, c'est pas la bande de Baltrin qui m'a attaqué tout à l'heure? Me semble. Hein. Putain, j'ai encore oublié de prendre mon fusil. Merde. Shall we let him go? I say we kill him. Please, please. Oh, no, he's a nice. Ah merde, il en reste un. Ce mec. Non, je vais pas le libérer. Mais putain. Ah, il a un arc. Okay.
Ça va le faire, ça va le faire. Panique pas. Il vise comme une... Tu veux que je t'apprenne à viser ou quoi toi? Merde. On aurait dit Indiana Jones. Ah bon. Don't go anywhere now. Quel bordel. Ça peut servir. Oh crap. Listen. Is it okay if I rob you? Salut fan gamer. Comment ça va? J'ai oublié de... Il a perdu son chapeau. Bon, cheval là. J'ai envie de trimballer ce sac à patates tout le long. Pas trop. Ah! Viens te divertir avec nous. Et merde. Mon cheval est sourd. Moi ouais, personnellement Foxy, ouais je prends beaucoup de temps. J'aime bien venir sur Sly. Je viens régulièrement d'ailleurs, je suis quasi là tous les soirs. Mon cheval, allô. Mon cheval sourd. Ouais, mais j'ai quand même. Je vais y attendre. Allez hop. Changer cette merde. Fuck. Hop, c'est parti. Le cheval a démissionné. Ouais, non, mais attends. Oh, le cheval est trop loin. D'accord, je mets de la vie, tiens, hein, le bordel. Là. Oh, t'en fous de ce qu'on dit. L'important, c'est que tu es content de ton boulot, tu vois. Pas que des paroles. Fais pas ce que tu es. Hein. Eh, tu claques un record du monde sur un circuit, on a beau te dire, tu pilotes mal, bah, t'as quand même fait un grand record du monde, tu vois. Donc c'est bon. Laisse couler. Après, c'est vraiment insulté en mode insulté. Parler mal, c'est une chose. Insulter, par contre. Hein, voilà, tu vois. Être supérieur, ça donne pas le droit d'insulter. Hein. Tu sais, y'a des gens qui se cherchent pas, ça sert à rien de comprendre. Hein. Tu dois plus te fatiguer et essayer de comprendre l'incompréhensible. Ouais, voilà. Real pain, screaming, crying, begging pain. I will put you to a fire. You're the one tied to the back of a horse. Now hush. Alive?
He won't know. Alive is how they're getting you. With a few bruises. Oh, ça fait mal finir. Here we are. Blackwater Police. Hey, watch it! This your way of stretching your luck? Ah ouais, t'es vite jugé, yo. Hein. Morning, friend. Come on, Green. Let's get you inside. Bon, j'ai vite capté, gros, t'es du genre à te pavaner en Lamborghini, de toute façon. Hein? T'es l'égoïste. On se met pas à la planète. That Skinner, brother. Elias Green. Set me down. Toi, t'es du genre à prendre le menu maxi best-of. You ain't got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. Ouais, ouais, première génération. C'est une dinguerie. Kiff. C'est vrai que c'est pire, c'est encore plus insolent. C'est incroyable, c'est de la Twingo, la première génération. Allez, file la thune. That man ain't worth ça, c'est quoi, c'est le Pôle Express ou quoi là? But here's what we're paying for him. I'll take it. 20 dollars, super. Du coup, j'ai 100 dollars. J'avais vraiment pas un rond. Incroyable. On part en pause ou pas? Ça me paraît bien, il est 23h. Attendez. Une connerie se profile à l'horizon. Oh, à quoi? Oh, ça va être pas drôle. Ah, c'est pas marrant. Le mec s'y prison. Ah, c'est pas marrant. Ah, on peut pas monter les escaliers. Ah, pardon, excusez-moi, vraiment. C'est pas moi, c'est la truie de mon cheval. Je suis désolé. Salut. Ah, je confirme. Ça sent le frustré. J'aime bien le ça ira pour cette fois. Sous-titré, bon, j'aurais bien de virer, mais bon. Je peux pas donc. Ça les arrange bien ça. Hein. Y'a pas de prime. Y'a des gens qui disent ouais, hey, je ferais bien ça. Mais t'as de la chance que. Ouais, bah, parle pas en fait. Bon, du coup, hop, ça part en pause. Et je peux pas monter les escaliers à cheval. Je suis dégoûté. Vraiment. Grand dégoûté. Micro. Attends, les valises de l'enfer qui sont immobiles. Faut quand même aller chercher les défauts dans ce jeu. Hein. Mon pote sauter à la gueule quoi. Quoi? Bah, c'est vrai que c'est un peu fatigant quoi. Bon, on ira aider l'autre gars là-bas après la pause. C'est une bonne philosophie. Sur ce, je vous laisse digresser entre vous sur ce sujet. Je pars en pause, je m'hydrate, je reviens. Dernière partie, déjà incroyable, le temps file en deux mots. A tout de suite.